Moi, je m'appelle Justine, j'ai 26 ans et je viens de Durpi. Je suis étudiante en marketing à l'UT à Charleroi. Par amour, j'ai rencontré Romain il y a 5 ans et vu que sa société était ici à Belleux, près de Chimay, je me suis rapprochée. Marketeur dans une grosse boîte, à Charleroi peut-être ou dans les environs, mais marketeur. Déjà, je suis arrivée ici au mois de décembre. J'ai commencé à gérer la page Facebook parce qu'on m'en a donné l'accès et ça, c'était vraiment top. Donc, j'ai pu vraiment analyser comment se gérer une page Facebook, comment se gérer les publications, les audiences, etc. Je me suis surtout créée aussi un réseau. Ça, c'était chouette. J'ai pu au moins rencontrer les gens de Chimay, les gens qu'est-ce qu'ils faisaient dans les environs que je ne connaissais pas à la base. Ça, c'était vraiment bien. J'ai aussi acheté tout ce qui était mobilier, ça c'était vraiment bien puisque c'était vraiment un travail de longue haleine, j'ai envie de dire. De ce que j'ai fait à la ferme, c'est surtout augmenter la page Facebook. Ça, j'en suis, les publications et les visibilités ont vraiment augmenté. Ça a permis à plein de gens de découvrir la ferme qui ne connaissaient même pas l'existence. Ça a permis de les faire venir, de les faire voir et peut-être même de les abonner. Et ça, j'en suis super contente. C'est un truc de ouf, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose qui a évolué. Les gens ont pris conscience de ce que c'était qu'un coworking, qu'à la base, ils ne savaient pas. Et ça, j'ai envie de dire, j'ai une petite fierté dedans, parce que j'en ai contribué. Et je trouve que les gens doivent continuer à venir, parce qu'il y a plein d'évolutions ici qui se passent. Et c'est top. Point de vue déco. Point de vue déco, c'est juste toi ou quoi. J'ai envie de dire que ça claque. La pièce silence, même si quand je suis là, c'est pas du tout silence. J'avoue, j'arrive pas à me tenir. Mais c'est le réseau, j'ai juste envie de connaître tout le monde, j'ai juste envie de savoir ce qu'ils font. C'est top. C'est la convivialité qui est bien. Franchement, au top. Pour le moment, on peut me trouver sur LinkedIn, sur Facebook ou sur Instagram. Bientôt, je sais pas encore où je serai, mais pourquoi pas me trouver ici, en freelance. Peut-être pas. Peut-être oui, peut-être non, je sais pas. Je dirais que, un peu comme en marketing, on dit toujours pas vu, pas vendu. Et j'ai envie de dire, si tu viens pas, tu sais pas ce que c'est. Donc j'ai envie de dire, tente ta chance, viens à ta journée gratuite et fonce, n'hésite pas.